Bonsoir. Allez, attends. J'attends. J'ai entendu un bruit. T'assures. Ça fait... Oui. Bonsoir. Bonsoir. Filme-moi, attends un peu. Pour présenter, bon, vite fait, donc ça c'est pas un épisode. On se retrouve donc dans une maison abandonnée, on ne dira pas donc le lieu. Et on va faire une petite investigation. Et on passera certainement des petits morceaux à certaines personnes. Donc c'est parti, on va commencer donc par se présenter. Donc bonsoir, je suis Alexandre du Nuclear Ghost Investigation et je suis avec Titatou. Bonsoir, c'est moi Titatou. On va tenter d'entrer en contact avec lui. Alex, aide-moi s'il te plaît. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un? Filme-moi. Oh. Non. Bonsoir. Il y a une présence. Est-ce que quelqu'un pourrait faire un bruit quelconque? Il fait 20 degrés. Voilà. Attends, mets la lampe torche. Monte. Franchement, hein. Bon, on va éviter de monter parce que bon. Oui. C'est quand même triste tout non, ça. Non, ça arrive. Là, c'est bien. Là, c'est. On ne sait pas ce qu'il y a dessous. Bon, on va sortir un peu du matos. Donc, on est là pour essayer de discuter avec vous s'il y a quelqu'un. On vient en tant qu'ami. Pas en tant que pour vous déranger, donc si jamais on vous dérange... Nous ne sommes pas des profanateurs. Si jamais on vous dérange, si vous pouvez faire un bruit. Ce que je vais faire, je vais déposer un instrument ici. Si vous pouvez vous approcher, ça montrera qu'il y a quelqu'un avec nous. Checker vite fait le téléphone, je vais le remettre en mode normal au cas où il y a un souci quelconque. Nous sommes juste ici pour pouvoir parler avec vous gentiment. Attends, Alex, j'entends. Je crois que c'est le vent, mais. Ah non, c'est dehors. Non, ah oui, c'est dehors. C'est les mouettes. S'il y a quelqu'un là dans la salle où je me trouve à présent, il peut s'approcher de l'appareil que j'ai mis au centre. Pourquoi ça fait tout flou comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Pourquoi il écrit Alex? Ouais. 10 centimes. Bon, mis à part les dessins de blocs, personnellement, je me sens pas mal. Non, ça va, moi aussi. Je pense qu'on va de suite utiliser la Spirit Box. Donc, la Spirit Box, si quelqu'un m'entend, c'est la balaye des fréquences radio. Et en fait, vous pouvez discuter avec nous grâce à ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dessus la Spirit Box. On va rajouter dessus du papier alu que je tiens là pour justement bloquer toutes les ondes. Et donc si jamais on entend quelque chose, c'est que c'est pas normal. On va monter le son. Donc malheureusement on n'a pas encore d'amplificateur.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il peut utiliser les fréquences radio pour discuter avec nous? J'espère qu'il va nous parler. Nous sommes venus en paix. Je m'appelle Alexandre et je suis accompagné de Tita, Nicolas, comme vous voulez. Je suis Nicolas et on veut juste parler gentiment avec vous. Savoir s'il y a quelqu'un ici ou pas. Il y a un côté. Tu vois plus Alex. Ouf, c'est pris ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il n'y a pas par là. Ah, c'est bon. Est-ce qu'il y a une présence parmi nous? Donc si vous ne nous avez pas entendu, on vient juste pour discuter, on ne peut pas venir vous déranger. Si on vous dérange, faites un bruit, tapez contre un mur et on s'en va de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que, pour faire signe de votre présence, vous pouvez dire mon prénom? Non, il y a un bruit derrière. Mmh. C'était extérieur. C'est dur de différencier le bruit extérieur et intérieur. Qu'est-ce que je tiens dans ma main? On va aller récupérer le... C'était? Je sais pas, on aurait dit comme un enregistrement. Il y a quelqu'un? Attends, J'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un. Là, je me sens oppressé d'un coup. C'est sûrement le ressenti de ce bruit. Ouais, je pense. Je vois que d'être. Il y a quelqu'un? C'était quoi ce putain de bruit? C'est qu'on a passé la... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'on vous dérange? Putain, pourtant, on essaie. Attends, remets la lampe torche vers le bas là. C'est quoi ça? Une trace de main. Il y en a une ici aussi, regarde. Oh putain. J'avais pas vu ça. Attends. Pas mourir, Alex. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pouvez-vous refaire un bruit? On a entendu un bruit. Est-ce que vous voulez qu'on retourne dans cette salle, peut-être? Quand on est venu ici, qu'on a entendu un bruit. Vous pouvez refaire? Chut. Il y a quelqu'un ici. Pouvez-vous vous approcher de moi? De l'appareil que je tiens dans les mains. Êtes-vous à l'étage peut-être?
Nous savons qu'il y a eu beaucoup de douleurs ici et nous essayons de comprendre avec vous. On aimerait discuter amicalement, bien entendu. Il paraît qu'il y a eu quelqu'un qui s'est pendu ici. Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour nous répondre, pour nous le confirmer ? Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille ? Vous voulez qu'on reste ? Est-ce que vous voulez qu'on reste ? Faites un bruit pour qu'on reste. Est-ce que notre présence vous dérange ? On a appris qu'ils voulaient démolir cette maison. Est-ce que ça vous fait quelque chose ? J'aimerais bien voir l'escalier, mais si ça s'écroule... Doucement, Alex, doucement. Alex, attends-moi. Pédé. Il y a quelqu'un ici. On a entendu un bruit à l'étage. Enfin, je suppose que c'est l'étage. Est-ce que s'il y a quelqu'un, est-ce qu'il peut s'approcher de moi, de l'appareil que je tiens en main ? On va éviter de passer là, c'est vraiment délabré. Ouais. C'est vrai que tu veux faire un épisode là, c'est quand même assez chaud. Oui. Putain, mais j'ai réussi à oui, qu'on entend. Ça, c'est fou quand même. Je suis tellement mal que j'en ai déchiré le papier. Enfin, mal. On a un peu flippé, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on monte ? Si vous voulez qu'on monte, faites un bruit, hein. Sinon, reste en bas. Bon, on reste ici. On va pas prendre le risque de... Comment tu te sens, Alex ? C'est quoi ton ressenti ? Là, pour l'instant, c'est pas... Ça va ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Dans cette cuisine ? Alex ? Oui. Je me suis dit, il est parti où ? Hein ? Reviens là, j'ai... Je sais pas. Franchement, je sais pas si c'est mon ressenti ou qu'il y a vraiment. Et après, il y a beaucoup de signes ici, mais le bruit venait de là, là. Ouais. Donc à mon avis, c'est peut-être à l'étage, mais ça veut peut-être nous faire monter. Mais... Je sais pas, mais moi, c'est... Sans signe de leur part... Écoute, on va mettre la spirit box comme ça ici. On va tester, hein. Ouais. J'espère qu'on va pas choper des radios. Si. Je vais remettre le... La caméra est floue à la fin, des fois. Enfin, souvent. Normalement, on est quand même ici, ça devrait aller. Je crois que c'est bon, j'ai réussi à calmer les fréquences.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Oui. T'entends aussi ? Ouais. Attends, je vais me rapprocher de toi. Pouvez-vous répéter ? Pouvez-vous dire mon prénom ? Quel est mon nom ? Qui est la personne à la caméra ? J'ai vu un truc blanc passer. Non, tu stresses pour rien, Alex. Non, je te jure, j'ai vu un point blanc passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ? Est-ce qu'il peut dire son nom ? J'ai pas entendu. Pouvez-vous répéter ? Quel est votre nom ? Pouvez-vous dire mon prénom ? Comment je m'appelle, s'il vous plaît ? Est-ce que notre présence vous dérange ? Merci. Bon, merci. Est-ce que vous nous voulez du mal ? Est-ce qu'il serait possible que vous vous approchiez de nous afin de faire sonner l'appareil qui est à mes pieds ? Approchez-vous de cette machine, s'il vous plaît. Il y a juste ici. Êtes-vous dans la pièce avec nous ? Putain, c'est fou quand même. On a réussi à capter des voix là. Bon, vous pouvez le remarquer, là on n'entend vraiment rien de rien. C'est... Voilà, ça répond vraiment à nos questions là. Donc ce qui serait bien, c'est que vous dites mon prénom. On s'est présenté tout à l'heure, je m'appelle Alex et je suis accompagné de moi, de Tita. Pouvez-vous dire un de nos prénoms ? Oui, j'ai répondu. Comment je me nomme, s'il vous plaît ? Qui est cette personne qui tient cette machine ? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, taper contre un mur ? S'il vous plaît. Attends. Là, ça devient oppressant, Alex. Pas toi ? Nous n'avons pas très bien compris à part un E. Est-ce que vous pouvez taper contre un mur ? Bouger un objet ? Vous approcher de nous ? Quel est votre nom ? Quel est l'objet que je tiens dans les mains ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous empêche de parler, quelque chose de mal ? T'entends rien, toi, la caméra ? J'entends plus amplifié, en fait. Le rugissement, j'ai bien entendu deux fois. Ok, ouais. Donc ça doit être capté quand même par la caméra.
Pouvez-vous dire quelque chose, ce que vous voulez? Vous avez peut-être un message à nous donner. Attends, il y a un truc devant la caméra, je pense que c'est... Non, c'est juste le... Moi, j'ai cru comprendre, pas bouger. Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pour peut-être vous aider. S'il ne se passe rien, nous allons nous en aller. Avez-vous quelque chose à dire avant qu'on parte? Non, ouais. On s'en va. Bon, on va finir. Allez. On va couper l'appareil. Merci de nous avoir reçus. Non, on va peut-être pas y aller, on va essayer de vous demander de faire plutôt maintenant du bruit. Cela, je pense que... Il commence un peu à s'imprégner de nous. Donc maintenant, vous avez été très gentil de nous parler. J'ai un petit frisson. Moi aussi. Est-ce qu'il vous serait possible de faire un bruit quelconque, s'il vous plaît? Est-ce qu'il vous serait possible de bouger un objet, de taper contre un mur? Si vous pouvez justement faire un premier bruit pour pouvoir établir la communication comme ça. Est-ce que vous aimeriez qu'on monte? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que vous aimeriez qu'on s'en aille? J'ai cru entendre un... Ouais, mais je pensais que c'était dehors. Est-ce que vous voudriez qu'on reste? Avez-vous du mal à communiquer avec nous? Nous ne sommes juste là qu'en amis. Nous ne nous voulons aucun mal. En voulez-vous aux personnes qui ont dégradé ces lieux? J'entends des bruits de... Ouais, mais c'est dehors. L'enfant, ouais, mais c'est dehors. Bon, nous allons pas vous embêter plus que ça. On va s'en aller, alors, dans ce cas-là. On vous remercie de nous avoir parlé. Merci de nous avoir reçus. On va essayer d'écouter ce qu'on a pu éventuellement entendre dans la salle à côté. Est-ce que vous voulez éventuellement qu'on revienne dans cette salle? Est-ce que vous voulez qu'on monte à l'étage? Est-ce que vous voulez nous faire parvenir un message, qu'on rallume la spirit box? Oh, j'ai vu un... Alex, je t'assure que j'ai vu un truc blanc aussi, là. Mais comme une étincelle. Juste là. Tu verras, tu verras. Y a-t-il quelqu'un ici? Ah non, c'est peut-être de la poussière ou un moustique, ouais, mais... Peut-être. Non, mais là, c'était... Je t'assure, c'était flashant, d'un coup. Après, faut regarder avec... Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous, s'il vous plaît? Bon ben, merci de votre accueil, on va s'en aller, on va pas plus vous embêter. Cette enquête touche à sa fin. Il y a malgré tout quelques points qui restent sans réponse. Tita et moi entendons des bruits d'enfants qui malheureusement ne s'entendent pas à la caméra. Après visionnage dans la voiture en sortant de la maison, Mathieu, qui s'occupait de surveiller l'arrivée éventuelle d'autres personnes, nous a assuré qu'il n'y a eu aucun bruit d'enfant, surtout à cette heure-ci. Concernant les éventuels orbes, nous ne pouvons les garantir. Il peut s'agir d'insectes ou de poussière. De ce fait, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions. L'équipe du NGI reviendra pour une nouvelle enquête plus approfondie.